Nang's Reborn. Hey Dieu, tu nous dis de faire un truc, on fait autre chose. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Ce que nous allons voir ici, si ça n'a pas été filmé, vous ne l'aurez sans doute pas cru. Des statues qui tombent à gauche et à droite, les dieux des gens. Les dieux des gens. Sérieux? Fini. Ce que nous allons voir, c'est du commun. Regardez ça! Wouh! Vous voyez ça? Aïe aïe aïe! Des statues qui tombent de gauche à droite. Et j'ai vu ça. Alors que ces gens-là ont sauté la statue tranquillement, elle est tombée. Avec le camion qui la transportait. Regardez l'en bas. Waouh! Et c'est étonnant. Regardez de vous-même. Vous voyez ça? La statue est en train de tomber. Boum! Oh, 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 oh. Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu. Vous avez vu ça? Elle est tombée. Et regardez encore ici. Une statue qui tombe. Et pendant que les prêtres sont là en bas, en train de la prendre, elle tombe, regardez. Elle est tombée sur le vieux prêtre. Bon, c'est bon. Elle est tombée sur la tête du vieux prêtre. Oh. Regardez le vieux prêtre. Venez en arrière, elle voit de ça. Regardez le vieux prêtre. Le prêtre est ici. Et la statue là-bas, hein? Elle va tomber sur son crâne comme c'est pas possible. Comme jamais. Waouh! Vous voyez ça? Vous avez vu ça? C'est étrange. C'est étrange, n'est-ce pas? Ils sont en train de transporter la statue. Et la statue quitte là-bas pour tomber. Est-ce une coïncidence? Est-ce le fruit du hasard? Regardez bien. Oh, 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 un autre Jésus qui tombe. Et regardez encore ici. Regardez très bien. Ah, Seigneur. Regardez encore là. Regardez même ici encore. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Attends, ça fait bizarre. Trop bizarre. Ah, ce sont les dieux, ce sont les dieux qui transportent comme ça. Hein. Je vais vous laisser regarder encore. Ça m'étonne quoi. Waouh. Seigneur mon Dieu. Ça fait bizarre. Hein. C'est trop bizarre même, je vous assure. C'est trop bizarre. Ça fait vraiment bizarre, des. C'est bizarre, hein. Bon. Dieu a créé les cieux et la terre, non? Et tout ce qui s'y trouve. Quand il a créé tout ça, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit des choses. Il nous a dit beaucoup de choses. Mais on ne respecte pas ce qu'il nous a dit. On fait autre chose. On fait ce qui nous passe par la tête. Il nous dit, oh, ne faites pas des images de moi. S'il vous plaît, ne le faites pas. Nous, les humains, on dit, non, Dieu, je n'ai pas intelligent. C'est nous, on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. De ce que tu sais, nous, si on sait, tu ne peux pas nous tromper. Laisse-nous faire les choses qu'on veut. Maintenant, regardez.
Quand on voit ça, qu'est-ce qu'on se dit maintenant? On se dit, voici des gens, leur Dieu n'est pas fort. Leur Dieu n'est pas puissant. Leur Dieu n'est pas suffisamment fort pour pouvoir être tranquille pendant qu'on le déplace. Tout disent, c'est un faux Dieu. Encore ceux qui ne croient pas en tout ça disent que ouais, c'est exactement ce qu'on pensait. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'on se mente. Dieu n'est pas une statue. Dieu ne fait pas dormir d'une statue. Mais l'homme, il ne dort pas d'une statue, il dort d'une maison. Le Seigneur Dieu nous a dit que notre corps, c'est son temple. C'est-à-dire que son esprit siège en nous. C'est-à-dire que son esprit siège là où il y a le sang. C'est-à-dire dans votre corps, dans votre sang. C'est-à-dire le jour où il n'y aura plus de sang, c'est le mort. Dieu n'est pas le Dieu de mort, le Dieu de vivant. Mais non, dites-moi la statue, est-ce qu'il y a un sang dedans? C'est quoi ça? Est-ce que c'est un corps? Maintenant, regardez ce qui vous arrive. Dieu n'est pas dedans. Et on voit souvent des statues qui pleurent. Des statues qui font couler, qui font couler le sang, qui pleurent façon. Et quand je vois ça, il me dit, mais waouh, c'est vraiment étrange. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qu'est ça. Le diable, toi, tu ne peux pas nous tromper. Une statue que l'homme allait fabriquer avec de l'argile, que moi-même j'ai vu de mes propres yeux. Toi, tu vas venir me dire que cette statue-là, il y a Dieu dedans. Ou que c'est cette statue-là qui peut t'amener directement au ciel. Impossible. Comment c'est possible? Dieu, il est un esprit. Et il se montre à nous en esprit aussi. Si tu veux un homme qui te parle de Dieu, c'est que c'est l'esprit de Dieu qui l'a envoyé. Dieu n'est pas dans les objets. Les gens qui prennent des petits trucs disent que oh, j'ai donné bise à ce petit caillou là, ça m'a donné des choses. Si c'est comme ça là, il y a pas ma souris à parler de Dieu, viens te popper du pot de toi et puis on te donne bise chaque jour. Mais ça ne marche pas. Si ça marche, c'est que c'est le diable qui est derrière. On l'appelle le trompeur, celui qui trompe. Quand vous parlez comme ça aux gens, les gens disent que non, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non, non, non. Mais moi, j'essaie, eux-mêmes savent qu'ils sont de l'eau. Mais comme ils sont déjà dedans, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Ah, mon frère, il n'est pas encore trop tard. Réponds-toi. Abandonne toutes ces choses. Abandonne toutes ces choses. Tu es là, tu as tous ces cailloux-là chez toi. Tu as toutes ces choses-là chez toi. Mais ton cœur noir, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tiens, tout ça chez toi. Mais tu es un sorcier, ça sert à quoi? La sorcellerie de ça. La sorcellerie est trop dans ton cœur. C'est la vérité. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Voici le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. J'ai vu ça et me suis dit vraiment, ça fait vraiment pitié. Ça me touche quand même. Et voilà, c'est des gens qui disent que oh, c'est leur Dieu. Mais regardez ce qui est arrivé à leur Dieu. Regardez. Et eux-mêmes, ils tombent. Et la statue tombe avec. Mon frère, si tu as de l'argent pour acheter la statue, mais pardon, faut garder ça, faut mettre ton gamba. Mets-toi à genoux devant Dieu. Dis Dieu, tu existes, tu es réel. Montre-moi que tu es avec moi. Montre-moi que tu peux m'écouter. Montre-moi que tu peux exaucer mes prières. Fléchis genoux devant Dieu. Prie de tout ton cœur, sérieusement. Et tu verras que Dieu qui parle de mensonges va te visiter. Mais ne mets pas ta confiance en une statue que tu transportes partout
à des croix que tu poses sur ton cou, tu dis que ça te protège. Non, Dieu ne protège pas comme ça. Aie confiance sérieusement à Dieu, que ton cœur soit à Dieu. Et les gens là, leur cœur là, à l'intérieur là, c'est que du mal. Leur cœur est uniquement dirigé vers le mal. Tel que Dieu a dit autrefois. Dieu a dit autrefois au temps de Noé que les gens ici, leur cœur est totalement orienté vers le mal. C'est à cause de ça qu'ils veulent les détruire. Donc ton cœur là, c'est là où Dieu est censé se trouver. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, ça ne sert à rien de transporter les statues à gauche et à droite ici pour nous fatiguer matin bonheur là. J'ai fini de parler. Wow, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir l'Union Scobone, dans la description se trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Union Scobone 3. Avec l'Union Scobone, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Union Scobone 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.